Donc on est reparti, salut à tous, salut YouTube. On continue notre poussée contre Hector et ses alliés troyens. On va essayer de le repousser, de le détruire totalement. Histoire d'être tranquille avec lui. Donc là on va essayer de s'occuper de faire des combats, des guerres en Thrace, raser tous nos ennemis. Et essayer de redescendre vers Hector pour lui prendre les dernières villes et peut-être faire un mouvement de tenaille, on va dire. Oui, je sais les gars, j'ai entendu. Vous croyez que c'est un P, mais bon. Ce n'était pas un P. Donc là on est reparti, donc on va prendre les 4 unités spéciales ici. Est-ce qu'on peut prendre des unités de... Ouais, on va prendre une unité de lancier comme ça. Deux géants de plus, ce sera pas mal. Voilà. Donc là on a une armée. Si jamais ils amènent tente un coup de Trafalgar, hein, on sait jamais, on se méfie. Là, si on peut aller chercher Pitane et la raser, ce serait parfait. Donc là, on a l'autre parangon qui est là. Donc là, sur la province de Troyens, il reste quoi en parangon? Il reste un là. Je crois qu'il nous en reste que deux, si je me trompe pas. Il nous reste donc Zephyr Antisara et Chromis à timbrer. Il nous en reste trois en fait. Un. 2 et 3. Il nous reste ces 3 là. Donc, si on compte bien, donc il y a là, là. Si tu veux que je vous dis que c'est de moi. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je balance pas les autres. Tu me connais. Donc là, il nous reste plus que 3 parangons, dont 2 en trace à les récupérer. Ça, c'est cool. Mais bon, là, on va faire une petite razzia. Donc là on a du combat qui a été fait. On va prendre disciplinaire, comme ça on va remonter là, là. Il y aura des trucs en moins. Les charges, je m'en sers pas trop, hein. Ça pas besoin non plus. Mais ces deux-là, oui. Bon. On va se reculer. Et on a bien fait. On a bien fait de se reculer parce que vu comment Paris c'était vénère, non. Non, non, non. Là, il faudrait récupérer juste ça, ça, ça. Ouais, c'est bien. Là, en fait, ouais, c'est ça. Moi, il ne reste plus qu'à prendre la trace au nord, les derniers parangons, encercler Hector et le raser complètement, et c'est fini. Hein. C'est fini pour lui. Apparemment, le Palladium, on aurait quelque chose à, contre le. Ici. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? 10 au moral de toutes les unités. Ça va compenser le petit malus qu'on a, peut-être. Donc, toi, tu vas venir là. Et Héraclea Sintica. Chevaux carnivores, 10 de vitesse pour le héros s'il est monté. Ouais. Les chevaux carnivores de Thrace, très connus. Hein. Là, je vais remonter à Kition et à Arnissa. Je vais essayer de prendre les dernières villes comme ça.
Je vais quand même faire cette bataille juste pour liquider ces unités. Hein. On a beaucoup de tireurs, mais je pense que ça devrait le faire, mais il faut se méfier. Ah, c'est des défenseurs trois, donc c'est-à-dire que Paris s'est pris un... C'est ce qu'on dit, mais l'IA est magique, hein, ça c'est sûr. Ah, la puissance d'Hector est en train de... Il est en train de down. Pas de pluie. Pas de pluie. Pas de pluie. Tu m'emmerdes. Bon, on va commencer à tirer, hein, bien sûr, dès que possible. Les javelots, ici. Concentrez-vous sur les archers de l'hydre. Comme ça, si le poison ne vient pas au corps à corps, mieux ce sera. On va faire un flanc. On repérait des ennemis dissimulés. Alors, imagine son Hector. Hector, il est bien où il est, Momon. Une de vos unités n'a plus de munitions. Je vais pouvoir faire un petit flanking là. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Ah, ils ont pris trop de pertes dans l'armée, ça c'est cool. Nice to be acknowledged. Move it, man. Loyal to the last. Lui, il a pris un rang, on va lui mettre quoi? Set up camp. Forced march. Yes. Allez, plus que 23 villes. Ouais, youpi. Ajax the Great. C'est quoi, on va remonter à Dyrnessos, on va voir un peu comment ils vont réagir. Go at them. Into the fray. Et derrière, je tentais, bon, c'est pas le plus move, le plus safe, mais pourquoi pas. We've got plenty to discuss. Je tente Pédasus, toi. Je te propose 5000 de bouffe, 4950 de bouffe, 4900 de bouffe, 4500 de bouffe, 4800 de bouffe pour une ville comme ça, je dis oui. Comme ça, lui, il ne sera pas attaqué. Regardez. Engage the foe. Dans 2-3 tours, ça va commencer à piquer les dégâts. Alors par contre... Donc lui, ils sont pas en guerre contre les Troyens, ça m'arrange.
Great deeds await. Alors pour le moment, je vais rien rebâtir. Allez, ça y est, succès déverrouillé, la grande chasse. C'est avoir le niveau maximal avec Artemis, je suppose, ouais. Bon, il y aura moins un succès de plus dans cette campagne avec les dieux. Je crois que j'aurais fait plus de succès de dieux que de succès de faction. Ce qui est assez drôle d'ailleurs. Mais bon, après, si tout le Panthéon est content, moi ça me va très bien. Ah, il a repris pour Rosienne ce sac. Pourquoi tu prends... Pourquoi il est pas passé par le port... Punaise. Il prenait le port, c'était plié. L'IA qui ne comprend pas son... ce que tu lui demandes. Il y a cette armée, il faut que j'aille m'en occuper. Hein. Si je m'en occupe pas de cette armée, ça va être chiant. J'étais en guerre avec eux, tu me demandes du bronze. Je vais te dire, allez, oui. Comme ça, j'aurai plus d'or, ça me sera utile. Loi divine, plus 10 de mort à toutes les unités, donc il me reste encore la tech du bois, et ce sera la dernière tech des décrets royaux, je vous l'annonce les amis. Bon, c'est une petite armée, on va essayer de récupérer Pitane. On va juste encore attendre un petit tour. Oh là là, attention. Bon, je pense qu'avec l'armée qu'on a, on pourrait peut-être les défaire, cette armée-là. J'ai tenté d'aller détruire cette armée, je pense que ça devrait le faire. Elle se sauve, ok. Là on a nos deux bonnes armées ici. Il faudrait que je rende Cyrus et Héraclée à Syntyca. Ici, comme ça, lui sera le flégé sera rapide. Bon, j'attends juste que lui tombe dans mon piège et là je récupérerai toutes ses provinces pour moi. Quoi. Je raserai peut-être juste Arnissa, c'est tout. Quoi. Protector, il est en train de faire un truc, je sais pas ce qu'il tente, mais attention. Alors, oh bah oui, ça attaque à deux armées tellement que c'est courageux, tu m'étonnes. Bon vas-y, un peu de bouffe, ça fera pas de mal. Ouais, je me méfie au bout d'une mauvaise surprise. Genre un débarquement inopiné, tu vois, je sais que j'ai une armée dans ce secteur. Si tu parles de l'armée full, la demi-armée, je m'en sers pour comme réserve. Alors toi, non, tu peux courir. Déjà, l'Irnissos, on va la rendre à eux.
Bah tiens, Victoria Canmin. Allez, je vais la prendre. Voilà. Bon, ça, c'est la plupart de mes unités qui ont mangé, c'est les lanciers, le reste a tenu bon. Allez, on reprend 7% de reconstitution. Et là, ça fait qu'ils ont plus d'armée dans le secteur pour le moment. Ce qui va m'ouvrir une voie royale dans Thrace. Là, on va prendre 4-5 villes gratos. Je vais juste me reconstituer un tour à Lyrnissos avec ce que j'ai perdu. Je dis, faut prendre monsieur. Terria n'existe plus, Lyrnissos est tombé. Voilà, comme ça, l'armée elle est refaite pleinement. Never subdued. Break some heads. Onward to glory. Allez, je la prends aussi. Tenter d'aller se le faire lui. En plus on a eu l'aide de l'allié. Et hop. On prend Pitan qu'on rendra plus tard. C'est bon, on va juste faire un peu de bois. Count on me. Allez, 79 villes. Mais là, on va vite. Là, ça va commencer à grimper un tout petit peu. Yoron, c'est à nous. Atalante, ça va être la capitale de province, logiquement. Hop, ce qui fait que là, ouais, on va encore récupérer plein, quelques villes, là ça va être pas mal. Allez, 81 cités, 80, on va monter à 85 ici, 86 peut-être. Les 100 colonies, on les a larges. Lord of Salamis. Il faut que j'aille chercher Zélé, c'est vrai. Quelqu'un veut la paix? Ah, lui, il veut la paix. Bah, bien sûr, tu veux s'emballer en Mars aussi, non? Bon, pour moi, on fera rien. Je vais rendre Lyrnissos.
à lui. Comme ça, là, je vais commencer à me faire un petit coin là. Et là, ça y est, là, le déclin troyen s'amorce, je l'annonce. Ils vont commencer à perdre toutes leurs ressources petit à petit. Bon, 3 va se faire encercler, hein, bien sûr. Ce qui va nous mettre plutôt en bonne position. Je crois qu'on va laisser crever de faim un peu les sacs. Hein. Et je vais peut-être... Oh, tu veux la paix? Bah non. Non, mon vieux. Tiens, lui, je vais faire un truc, je vais alterner comme ça, ils vont aller chercher comme ça. Chut. Hors d'Amazon ici. On va recruter du trash. Oh, attention, il y a Serpedon qui forme des troupes. J'essaie d'aller vite chercher Serpedon. Moi qui reforme toutes ses troupes. Ajax peut aller chercher ces villes-là. Je devrais peut-être aller chercher Zeledir. Je vais aller chercher ici la PRI Charaxis. Give no quarter. Hit them hard. On prend une petite base ici. Il y a un bâtiment spécial, je sais plus ce que c'est. Bosquet sacré d'Aphrodite plus 200. Ah oui. Bon, on va lui rendre l'Irnissos déjà. Tiens, d'ailleurs, ils ont encore combien de villes? Ils ont encore 4 cités. Ah, ils ont l'île là-bas aussi, c'est vrai. I know my duty. Bring their death. Couché. Voilà. Un de plus. Encore un ennemi de tombé, c'est bien. Par contre, c'est pas ce que je veux là. Voilà, 4 lanciers, 4 javeliniers. Oh, il y a du peuple là, par contre. Il va nous faire 2 armées à chaque fois pour les tomber. Ça va être chiant. Je vais quand même faire des défenses dans le dos, je me méfie. Hein. Même si je sais pas, j'ai pas envie de buffer cette ville à fond, mais on va être prudent quand même, quoi. Voilà. Great deeds await. Non. Oh, il y a plus. Ça y est, 3, ils s'énervent là, ils ramènent du monde.
Une alliance défensive avec eux, ça peut être un petit plan intéressant, effectivement. Comme ça, ça nous permettra de sécuriser un nouveau copain. Bon, mon but, la voie de conquête avec les Achéens, c'est non. Hein. Pourquoi pas avec Hector, c'était marrant. Mais avec Ajax, non, c'est pas ça que je veux faire. Je fais un système d'alliance, en fait. Même si avec Hector, il y avait le système d'alliance aussi avec la Ligue qui parlait. Enemies beware. I never falter. Defending the righteous. I will not break. À Skepsis, il y a de l'or, on va pouvoir priver de l'or troyen. Go at them. Occupy it. Ça va nous faire deux villes de plus, un peu plus de ressources comme ça. Là, on va prendre Zélé, comme ça on va tout de suite la rendre à eux. Ils auront toute la province. Si on chope le palladium, bah, c'est encore mieux. Et on essaiera d'attendre d'avoir une opportunité pour taper 3 avec le comment ça s'appelle, ah, le tremblement de terre. Vous voyez la carte tremblement de terre, ça pourrait être marrant. Plus de bouffe. Ça marche, le bout. Bonne nuit à toi. Bon, à la prochaine. Merci d'être passé. Je vais attendre un petit peu. Quoi que non, on va peut-être pas trop attendre en fait. Normalement, oui, le bout. Sauf imprévu. Bon, c'est pas mal. Il ne reste plus grand chose là. Oh là là, on se rapproche de la fin, les amis. On se rapproche de la fin. Là, on va mobiliser tous nos alliés. Donc là, on va récupérer plusieurs provinces sous notre contrôle. On va peut-être raser d'autres. Je sais pas, je vais réfléchir. Hector, on a plus que 12 colonies. Hein. 12 colonies, c'est 11 là. Là, il va perdre encore tout ça. On va raser, bien sûr. Mais là, le tarif. Là, ça, le prix va être élevé hein, pour lui. Allez, moins 20 d'armure sur la cible. Et on va rajouter plus de dégâts perforants pour lui. Donc nos sauces. Oh, on a eu du dégât, oui. Ah, il m'attaque toujours à deux armées, lui, hein. Alors là, on a les renforts, mais on va prendre la victoire à la Pyrrhus, enfin à la Cadmienne. Bon, je perds beaucoup d'unités de milice. Dénouement, ce sera peut-être pas ce soir, mais il est très proche. Et là, j'en suis ravi.
Et le pire, c'est que je refais aucune conf... Si je gagne cette campagne, je la fais sans confédération, vous imaginez? Ça, ce serait beau. Good and ready. March on. Order acknowledged. Je vais rajouter ça, ça nous fera des renforts. Est-ce que Zélie, ça tombe ou pas? Non, mais avec ce que j'ai, je pense que oui. Hein. Into the fray. Engage the foe. Reclaim this place. Oh, ça c'est fort. Capture la capitale Hector de Troie, dénommé. Oh, une faction apparaît dans la partie de son chef Alexandre le Grand. Bulwark of the Achaeans. I never falter. Ça, je vais le prendre par contre pour nous soigner un peu plus. Alors, je sais pas si on a une palladium, j'ai pas l'impression. Bon, bah maintenant on va remonter. Hein. On va taper 3. Parfait. Il n'y a quasiment plus rien, on va aller chercher là-bas. Allez hop, ça c'est fait. J'ai encore donné des cadeaux à mes potos là. Donc Sparte et Argos. Je vais vous donner Daemoné et Pétanatos. Voilà. Ils seront contents. Oh, des centaures. Je vais prendre 2 archers centaures. Ça peut être utile dans cette armée. Au prochain tour, on fait tomber Kition comme ça. Mais je le rends aussi à... Comme ça, je rendrai Arnissa à Ajax le Petit. Il sera ravi comme ça. Et là, on terminera. Et on remontera vers... vers Antisira. On ira chercher Tazos. Et on calmera certains, quoi. C'est des îles en fait, ça pourrait nous faire une petite base d'opération comme ça, touc touc touc. Ça on va la rendre à lui là parce qu'il a pris cher. Ouais mais bon, c'est un peu, j'essaie d'être roleplay moment parce que tout simplement Ajax c'était pas un conquérant, hein. Faut dire ce qui est. Avec Agamemnon je t'aurais dit pourquoi pas, parce que c'était lui le chef de l'alliance tu vois. Ajoute en moi 2 et un lancier. Et il dit je vais peut-être pouvoir le ramener du sud, tu vois. Il propose un accès militaire et de la pierre, je vais dire oui. Alors toi, non, toi tu vas pas survivre, crois-moi. Je te fais la petite promesse. C'est la promesse que je te fais. Après c'est un gameplay, hein. Je
Je me rends compte que mon gameplay soit pas plus passionnant, mais bon, je pense que là, je m'en suis plutôt bien sorti. Ma stratégie a payé sur le long terme, surtout, et c'est ça le plus important. Vous, je pense que vous auriez tout gardé pour vous, mais avec le bordel que c'est niveau administration et tout, non. Bon, ça c'est fait. Defending the righteous. Scourge of foes. A giant among men. On va rendre tout de suite zélé. We've got plenty to discuss. Élire Nissos. On va taxer plus de ressources possibles. Allez, c'est parti. Je te rends déjà lire Nissos. Cadeau. Ça, dans le sud, on est sécurisé. On n'aura pas de mauvaise surprise, quoi. Truest friend, deadliest enemy. Je tentais d'attaquer et de raser juste là. Je vais raser, comme ça fera un petit no man's land ici. Parfait. Parfait, parfait. On va juste soigner, ensuite on va aller chercher les derniers. Ouais, bon. Propose une alliance militaire, vas-y, hein. Pas besoin d'être forcé. Là, ça devient good. Allez. Ce qui me ferait vraiment chier, c'est de me faire trahir par un de mes gros alliés, quoi. Mais je pense pas, tant que je tape contre Hector et tout, ça doit pas poser de problème. Ready for war. Hold nothing back. Annihilate them. Enslave our captives. Allez, c'est parti maintenant. I know my duty. I'll have to refuse. Show your mettle. C'est pas fini, hein, attends-toi. I love a challenge. That's beyond me. Là, c'est le gros compresseur qui est en train de s'abattre sur eux. Show no fear. Make this place ours. Péonien détruit.
Colonie 89. Il nous reste 11 colonies à aller chercher. On va aller les chercher, ces colonies. On va les prendre comme ça. On va faire des petits coucous au parangon. Et après, ce sera good. Hein. Ready for war. Go at them. Into the fray. It is ours now. Prochaine étape, Adrestea. Je vais peut-être aller raser Apollonie. Enfin, Myrillée, je vais aller la raser. Apollonie, je vais la prendre. Je vais raser des colonies. Hein. Je vais pas me faire. Je vais pas me poser de questions. Il y en a qui veulent signer la paix ou pas encore? Non. Toi, je vais pas te proposer de trucs, toi. Ah, il n'y a plus personne. Bon, on va y aller. Hein. Est-ce que c'est pas un piège? Show me blood. Make them pay. C'était pas, ça avait pas l'air d'un piège en tout cas. We've increased our territory. Là, je rendrai Porosilène à l'autre là. Il se mettra bien. Par contre, Argos et Sparte, là, faut m'aider là contre l'armée là. Hector, il te reste 12 villes. Hein. Ça continue de rétrécir chez Hector, je dis ça comme ça. Parce que là, si je passe. Si là, il y a 4 villes qui vont tomber, 5. Je vais lui retomber dessus, ça va être beau de. Si ça continue. Même si j'ai d'autres objectifs à aller faire, bien sûr. C'est pas la peine, ça c'est pas la peine, ça c'est utile. Ah oui, il faut que je rende la ville à Ajax le Petit, j'avais oublié ça. Je dois rendre cette ville, comme ça il y aura toute la province, il sera ravi. Et ça améliorera nos relations. Il me donne 2000 d'or, je prends. Alors Ajax. Ah bah. En même temps, avec le nombre de raclés qu'ils ont pris, c'est un peu normal aussi, tu me diras. On va se mettre en marche avec cette armée. Peut-être que je sois nice, mais je prendrai pas de ville.
Mon but, ça va être juste d'avancer mes armées pour les trucs finnois. Hein. Donc, déjà remonter jusqu'à Ismara. Ici, on va prendre cette ville, on va la rendre à Enos, ils seront contents. Tiens, un, trois, y'a un. Give no quarter. Ils ont de ces garnisons quand même. Hein. Ok. Occupy it. Bulwark of the Achaeans. Ajax the Great. Allez hop, boum. Là, il y a trois villes encore. Hein. En plus, il y a une ville d'or, donc là, on pourrait le mettre mal. Là, on pourrait, oh, ouais, on pourrait lui faire très très mal d'ailleurs. Bah, tu sais quoi? Il est où, Aetelia? L'opien d'Icomède, vous allez me chercher ici. Toi, Charnessos, pareil. 92 colonies. Hein. On va les atteindre, les 100 colonies, croyez-moi. Croyez-moi. Ah, Jeanne Musée est en train de se faire démolir, on va faire gaffe. Bon, là on a une armée foulée terrestre, s'il y a un souci. Parce que là, 92. 94, 95, 96. 100, 101, 102. On sera à 103 colonies si. Oh là, il est en train de reprendre du poil de la bête, Hector. Attention. Attention ici. Hein. State your orders. Doing Hades work. Il a dû faire une grosse grosse armée hein. De toute façon, je vais arrêter d'ici un ou deux tours. J'essaie de prendre les villes dans le nord d'Hector, de les raser et de revenir vers ma position. Il veut un traité de paix, mais non, monsieur. Il y a des actions d'agents qui se font par-ci, par-là. Quand il n'y en a pas un qui a fait tomber la ville. Ah si, ça y est, enfin. Il me demande 1122 d'or contre du bois. Non, j'en ai assez. Le bois, c'est assez, là. Ok.
I never falter. Defending the righteous. Ah, ça recrute. I cannot do that. Hit them hard! Raise it! A giant. Ça c'est fait. Oh là là, ça va raser, mais laisse tomber mon gars. Traverser comme ça aussi. Chut. I fear not. Lui, il est en guerre contre Hector là, logiquement. Donc, est-ce que tu peux me le taper, lui? Allez, tout le monde sur Hector, comme ça on est sûr qu'il reviendra pas. Allez, on a notre cible. Donc on va remonter sur Apollonie et Mérilée. On a des colonies à renforcer. Une dernière chose avant de clôturer cette session de ce soir. Arnissa, donc Nar ici. Alors ça s'améliore, bon on va essayer de faire en sorte que nos relations soient en bonne. Comme ça je lui propose un accès militaire et des ressources. Je lui demande 5000 de bouffe. Je lui demande 2000 de bois. Je lui demande 500 de pierre. Voilà. Ça, il a toute une province en plus, il sera ravi et j'ai une relation avec. Regardez. Bon, on va faire prendre des armées de la mer quand même, hein. On va être prudent aussi. Toi. Là, j'aurai encore des succès à faire avec différents dieux. Aphrodite, je l'ai déjà fait. Je crois que j'ai pas fait Hera, ça c'est sûr. Apollon, je l'ai pas fait. Athéna, j'ai un doute. Non, on va faire ça avec Ares. Dernier tour, allez. Il me propose un traité de paix, il leur reste quoi? Non, je te vois venir toi. Tu m'as l'air d'un gros vicieux. Voilà. Ah, Tazos a été rasé, ça c'est cool.
Bon bah let's go hein. Et toi Jax? Truest friend, deadliest enemy. Donc là on va saper l'économie dans le dos d'Hector. Oh là là, ça y est, Hector, il s'est pris une raclée, il a rien compris. Ah non, il s'est replié. Pour l'instant. Bon. Bah, c'était pas mal ce soir. Hein. On se rapproche bien de la fin de campagne, hein, si tout va bien. Hector, il reste combien de villes qu'on rigole? Il lui reste 12 toujours. Hein. Il veut pas lâcher le morceau. On fera en sorte qu'on le fasse craquer. Hein. Là, avec plusieurs armées qui vont lui tomber dessus au fur et à mesure, ça va le faire réfléchir, j'espère. Là, toutes nos alliés ont réussi leur coup, donc ça c'est cool. Les 100 colonies, on va vite les atteindre. Après, bah, il ne restera plus qu'à accomplir tous les 4 objectifs qui sont pas compliqués. Bon. Dommage pour celui-là parce que celui-là il était faisable. Donc de Cross, on aurait pu atteindre le rang 27 avec lui, mais ça n'a pas pu être fait malheureusement. Donc voilà, mais bon. C'était plutôt une belle session de stream ce soir. Je suis plutôt satisfait de ce que je voulais faire. Donc ça c'est très bien.